Hello. Bonjour. On va vous montrer comment on se sert du xénonurepacer AN pour les animaux, en particulier pour les chevaux. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est être sûr que la corde électrique est bien poussée à fond et que la girole est serrée pour qu'il y ait un bon contact. Ensuite, on met le bouton en off, je ne sais pas comment dire en français, et la lumière s'allume. Donc on sait que ça marche et on entend la vibration. Les boutons ici de contrôle peuvent aller 10 fois à droite, 10 fois à gauche. Alors 10 fois à gauche, c'est 0 pour la puissance et pour la fréquence. La fréquence, c'est la vitesse des vibrations. La puissance, c'est la puissance du moteur. Bon. Pour le travail que je vais faire de massage myofascial aujourd'hui, c'est-à-dire la relaxation des aponeuroses, on met ça au maximum. L'outil dont je me sers est une lame en plastique sur laquelle le vibrateur du xéno est attaché, ce qui fait vibrer toute la lame. Et je vais me servir de cette lame pour détacher les fascias du muscle et détacher un peu la peau des fascias en faisant un brossage bien appuyé. Alors on peut servir un côté seulement de la lame ou bien les deux. Alors les deux c'est plus doux que un, évidemment, hein, puisqu'on divise la pression par deux. Bon. Donc je vais vous montrer tout ça sur cheval et je vais arrêter la machine et je vais la mettre dans sa boîte, enfin dans mon sac, pardon. Voilà, donc j'ai accès au contrôle d'ici, je mets ça derrière moi et je peux faire tourner la machine et l'appliquer à tout cela. Voilà, on va vous montrer ça tout de suite.